dernier épisode, mais pour faire le slotage de la touche, c'est-à-dire les traits de scie qui vont recevoir les frettes, donc vous avez bien remarqué que je m'étais servi de ce petit gabarit-là, hein, qui est absolument génial, mais par contre, je ne me suis pas servi d'une règle de diapason 27 pouces, parce que je n'en avais pas. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une petite astuce pour réaliser un diapason de 27 pouces avec une règle de 34. Allez, c'est maintenant. Donc, je vais dans Excel. Dans Excel, j'ai un fichier qui s'appelle frette calculatrice qui me permet de calculer la distance entre les frettes. Je m'en sers notamment pour lorsque je fais mes plans sur Illustrator. Là, dans ce cas-là, le but, c'est de rechercher un diapason, avec les diapasons que j'ai, une règle qui me permette de faire un diapason de 27 pouces. 27 pouces, je ne l'ai pas en millimètres qu'on voit ici, donc je vais d'abord le convertir en millimètres. 27 pouces, et tant qu'à faire, je vais mettre mes autres valeurs de diapason que j'ai, 30, 32, 34 et 35. 27, c'est égal en centimètres, en millimètres, à 25,4, voilà, 685,8 millimètres, et les autres, là. Donc 685,8, voilà. Donc ce que je vais relever, c'est ma distance entre le sillet et la première frette, 38,49, on va même copier tout ça en fait. Copier, collage spécial, valeur. Voilà, je vais les garder en référence et je vais essayer de trouver avec un autre diapason une équivalence. Distance entre deux frettes successives. 38,10 pour 38,49. Par contre, je me suis trompé. C'est celle-ci qu'il fallait que je copie. Voilà, 762. De toute façon, si la première frette est bonne, les autres seront équivalentes. 38,10, on peut peut-être faire mieux. 32 pouces, donc 812,8. 38,36. 36,21, on n'est pas trop mal là en commençant à partir de la quatrième frette. Voyons avec le prochain. 38,47, voilà. Là, typiquement, on commence à être très très bien. C'est-à-dire qu'on a pratiquement au centième de millimètre d'écart entre mes deux diapasons. Là. Donc, on va prendre par exemple la 32e frette pour voir, non, pas la 32e, mais mettons, on va copier ces valeurs à côté pour comparer. Oui, donc là je suis quand même extrêmement proche et ma touche fait de mémoire, alors je vais moi-même ouvrir, ma touche fait combien de frettes? frettes. 21, bref. Donc là, j'en ai largement 21 sur la chose là. Alors sur ma règle, par contre, je vais avoir, je pense, 24 frettes. Il va peut-être m'en manquer une qu'il faudrait que je trace à la main. Mais bon, voilà. On va quand même essayer avec la règle de 35 pouces pour voir si on est mieux. Non, typiquement là on est plus loin, mais en tout cas avec la règle de 34 pouces, merde, pardon, 863,6, là on retrouve bien ces valeurs là et on est quand même très très proche de notre résultat d'avant. Donc je vais partir sur cette règle de 34 pouces en commençant à la cinquième frette. Donc la cinquième frette de ce diapason là sera en fait mon sillet. Juste pour vous donner une idée, j'ai indiqué le numéro de frette. Donc mon diapason
ma longueur de corde vibrante, ça va être deux fois la longueur en fait de entre la première et la douzième frette. Du coup, si je prends mon diapason de référence, je suis à 342,9, ce qui correspond bien hein, à la moitié de ça. Si je prends par contre mon deuxième diapason qui se rapproche de 27 pouces, je suis à 342,7. Donc en gros, j'ai 2 dixièmes de millimètre d'écart. Donc je vais avoir 4 dixièmes de millimètre d'écart sur mon instrument par rapport à mon diapason de départ. Bon, 4 dixièmes par rapport au plan que j'avais prévu sur mon chevalet, ça me le fera avancer de 4 dixièmes. Autant vous dire que c'est assez négligeable. Du moment que tout est en relation entre eux, quoi. Si j'avais pris le bon diapason et que j'avançais mon chevalet de 4 dixièmes, là ça commencerait peut-être à être un peu plus embêtant, mais là tout va être bien en relation les uns par rapport aux autres, et ça ne changera absolument rien sur ma guitare d'avoir un chevalet, voilà. Si je mets mon chevalet, je le déplace de 4 dixièmes de haut, 337, non c'est pas là, ici 800,3, voilà, ça fait un mouvement qui est pratiquement imperceptible et qui ne changera rien au niveau du barrage. Donc je peux tout à fait utiliser cette règle de 34 pouces en commençant à la cinquième frette. Bon, je veux pas que vous pensiez que je vous ai arnaqué en vous disant d'utiliser une règle de 34 pouces pour faire 27. Et qu'en fait dans ma vidéo j'ai utilisé une règle de 27. Non, j'ai bien utilisé une règle de 34 pouces comme on peut voir sur ces images. Donc ici on peut voir le collage au double face. Prenez tout votre temps pour le faire, pour vous assurer que la touche soit parfaitement centrée. Car on peut mesurer plusieurs fois, coller plusieurs fois, mais par contre on peut couper qu'une fois. Voilà. Là on voit bien que la touche est beaucoup plus éloignée du bord supérieur que ce qu'elle devrait être si j'avais utilisé la règle normalement. Puis ça coûte rien de remesurer que je l'ai collé au bon endroit. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo aura été utile à ceux qui possèdent un gabarit frettage et des règles comme celle-ci. On peut se dire finalement qu'avec deux règles de frettage de diapason de basse, on ne doit pas être loin de pouvoir approximer tous les diapasons de guitare et de basse. Du coup, ça peut être vraiment à réfléchir pour ceux qui veulent investir dans quelques règles de frettage sans être obligé de toutes les acheter. Sinon, pour les prochaines vidéos, je vais explorer un peu de nouvelles pistes. J'aimerais faire en fait vraiment une série qui va être beaucoup plus dédiée aux débutants. Pourquoi? Parce que j'ai fait visionner mes vidéos à des amis qui ne connaissaient pas la lutherie, qui m'ont dit qu'il leur manquait vraiment des bases pour vraiment comprendre ce que je faisais. Du coup, en faisant des vidéos spéciales débutants, le but est de permettre à quelqu'un qui n'a jamais touché un morceau de bois de comprendre ce que je fais et peut-être de se lancer lui-même à son tour dans la construction d'une guitare. En fait, c'est exactement mon cas. La première guitare électrique que j'ai faite, je n'avais jamais touché, travaillé le bois avant. Et du coup, j'ai appris à réaliser cette guitare grâce à des forums sur Internet. Et je peux permettre à mon tour, grâce à mes vidéos, à des gens de fabriquer leur guitare, ce sera vraiment quelque chose d'extra. Et pour d'autres prochaines vidéos, on verra également d'autres trucs et astuces du type de la vidéo d'aujourd'hui. Je prévois aussi de faire des vidéos sur la fabrication de petits outils spéciaux lutherie qu'on a soit du mal à trouver dans le commerce, soit qui coûtent extrêmement cher car ils sont vendus pour très peu de personnes. Voilà, donc un peu les suites des prochaines vidéos. Et bien en attendant, je vous dis à la prochaine.